Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 193 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce jeudi 10 septembre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 933 tests réalisés, 48 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,14%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 27 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Dias et 20 cas issus de la transmission communautaire répartis entre quartiers ou localités suivantes. Dakar Plateau 2, Fan 2, Guédiawaye 2, Les Maristes 2, La Médina 2, Tarsel Zasséni 2, Bentali 1, Cité Kergorgui 1, Diofior 1, Kermassar 1, Mermoz 1, Restoufoire 1, Point E 1 et Rufusque 1. 31 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mercredi 9 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 150 cas ont été déclarés positifs, dont 10 207 guéris, 293 décédés et donc 3 649 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous fait certaines recommandations du jour en vous disant: prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté en pensant à trois attitudes essentielles. Le port correct de masque, se protéger des moustiques en dormant sous moustiquaire imprégné pour éviter d'autres pathologies pouvant vous rendre fragile en cette période, et à la moindre inquiétude sur votre état de santé, vous pouvez vous adresser aux trois numéros suivants. Le numéro vert, c'est le 800 00 50 50, le 1515 pour le SAMU national et le 1919 pour la cellule d'alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je vous remercie de votre attention.